avec Adrien David, le leader de ce championnat de France de la F4 française, pilote de la FFSA Academy. Ça, c'est vraiment une chance. C'est une des plus belles filières qui puisse exister. En plus, tu es en tête. La F3, c'est après. La F2, c'est après. Et bien sûr, et la F1, c'est aussi le but. Leader ici, c'est pas trop de pression? Alors, la pression, on a toujours de la pression, hein, surtout en étant leader. Mais arriver dans les rues de Pau, c'est un privilège parce que c'est la première fois qu'on roule tous en ville. Donc voilà, il faut juste apprécier et prendre du plaisir. Explique-moi rapidement ce volant ici. Alors nous, on a 6 boutons, c'est pas comme un volant de Formule 1. On a la radio, mais on n'a pas de radio encore en Formule 4, donc il ne nous sert à rien. On a les flèches, ces deux-là, c'est pour faire pivoter l'écran quand il est allumé. La neutre, quand on appuie sur neutre et qu'on appuie sur la palette, c'est pour la sécurité, pour passer la première vitesse. Et ensuite, on a le pit limiter pour respecter la vitesse exigée dans les stands. Les performances de cette magnifique F4? Alors, c'est un moteur Renault 150 chevaux qui, dans les rues de Pau, on atteint des vitesses de pointe de 200 km/h parce que c'est une voiture qui pèse seulement 600 kg, donc le rapport poids puissance est bon. Et par contre, sur des grandes pistes, on peut atteindre 230 km/h. Bon, bah, il n'y a plus qu'à monter dedans et puis, pas la pole, mais en tout cas, on te souhaite une bonne course. Merci.